Par le petit PC, machin, chan. Attends, mais en route l'enregistrement de l'écran. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien et nous retrouvons pour une petite facecam reaction. Ouais, j'ai cette facecam reaction. Où on va parler de collection. Est-ce que vous avez collectionné des choses, vous, depuis votre enfance et tout ça? Dites-moi en commentaire tout de suite, là, immédiatement, avant même de commencer la vidéo, est-ce que vous avez collectionné des choses? Alors moi, j'ai collectionné des pins. Enfin, c'était pas moi, c'était plus mes parents. Enfin, j'avais un truc à pins dans ma chambre et du coup, à chaque fois, on mettait des pins. Donc, c'était une collection. Après, j'ai collectionné les cartes Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et Pokémon. J'avais carrément le calepin, machin et tout ça. Et après, j'ai collectionné les femmes. Non, je rigole, c'est totalement faux. C'est pas mon genre. Fallait que je la place, celle-là. Non, je sais pas ce que j'ai pu collectionner. Je suis pas un grand collectionneur et tout ça. Et vaut mieux. Il est préférable pour moi de ne pas être un collectionneur. Parce que vu comme je suis toujours dans l'excès, ça coûterait très cher, je pense. Mais voilà, je suis pas un grand collectionneur. Mais j'ai eu des petites lubies. Et on va regarder justement plus de 35 collections étranges que les gens ont du coup dans leur vie. Donc c'est parti. On y va pour la première collection. Une collection gastrique pour les enfants. Hein? Attends. Une collection gastrique? What did your child have to eat today? Ah, c'est les... Ah, ok, c'est ce que les enfants ont pu avaler. Le mec, il est... ça doit être un médecin, je pense. Il a fait une collection, en fait, de ce qu'il a retrouvé dans l'estomac des gosses ou dans... Ouais, ok, ouais, on a un peu de tout. On a des pièces de monnaie, beaucoup de pièces de monnaie. On a des Lego, un médiator pour la guitare, une clé... on a une croix, un crucifix, enfin une petite croix. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, sacrée collection. Un autre médiator, là, on voit, il y a deux médiators, une pile, enfin trois piles. Oh là là, est-ce que les gosses, ils peuvent avaler... C'est dingue, hein. Ensuite, une boule d'autocollant. Quoi? Ah, c'est l'autocollant pour les pneus. Le mec, en fait, il a fait une boule d'autocollant. Il doit avoir un garage, et à chaque fois qu'il change le pneu de quelqu'un, il colle l'autocollant du pneu dessus. Oh là, ça doit peser lourd, par contre, hein. Mais ouais, d'accord, ok, mais il doit y avoir quelque chose en dessous, ça n'a pas formé une boule comme ça toute seule. Des étiquettes collées auprès de diverses sources où ils ont été ajoutés chaque jour pour donner une pièce magnifique. Ouais, la collection continue de s'agrandir de jour en jour, c'est vrai. Une collection géante de petites agrafes. C'est des agrafes? Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Ah oui, ah ouais, ils retirent les agrafes des documents avant de les broyer. Et à chaque fois, ils mettent les agrafes dans un seau. Et maintenant, le seau, il est immense et rempli d'agrafes. Oui, alors oui, si tu veux, c'est une collection sans vouloir, en fait. Toutes les clés de l'Amérique. Waouh. Attends. Toutes les clés ont été prises dans les chambres qu'il occupait. Cela signifie également qu'il a dû beaucoup voyager pour faire ce travail de vendeur. Étant donné le grand nombre de clés collectées, cette collecte est d'autant plus étrange qu'habituellement, on laisse la clé d'une chambre à la réception au moment du départ. Donc déjà, le mec, il a ruiné des hôtels, mais il a réussi à faire des clés d'appart. Mais c'est marrant parce qu'en fait, les clés sont... Il y en a des blanches, il y en a des rouges. Est-ce que par état, en fait, les clés sont d'une couleur différente? Je ne sais pas. Mais ouais, pourquoi pas. Un alphabet de pierre. Ah, des galets qui ont été, du coup, travaillés avec le temps et tout ça. Et du coup, il a récupéré des galets qui font l'alphabet. Ouais, pourquoi pas. C'est rigolo, je trouve, hein. C'est rigolo. Dessin de ses patients. Oh, c'est mignon. Se trouve une collection de dessins réalisés par les enfants qui ont reçu des soins de sa part dans le passé. C'est marrant, il a tout mis, du coup. Ah, c'est mignon, je trouve. Le tableau périodique des éléments sous forme de bocal. Oh, ça, c'est génial. Ça, j'aimerais trop avoir le tableau périodique. Ils font des tableaux périodiques où, en fait, il y a les éléments dans des petites cases comme ça. Après, c'est sûrement des éléments de synthèse, hein, parce que je pense pas qu'ils s'amusent à mettre tous les éléments. Hein. Mais c'est pas mal, hein, tableau périodique des éléments. C'est pas mal. Toutes sortes de pommes. My hobby, finding lost apple variety. Ah, donc, ils cherchent des variétés de pommes disparues. Donc il a toutes les variétés de pommes. Do you have any moonshine stories? Ouais, pourquoi pas. Oui. Médaille d'échecs. Ah, c'est un joueur d'échecs qui collectionne toutes les médailles. Bah, c'est qu'il est très bon aux échecs, hein. Une collection de trèfles en 4 feuilles. En feuilles. Donc il y a des 4 feuilles, des 4 feuilles, des 5 feuilles. Ah, pas mal, hein, les trèfles à 4 feuilles. Vous avez déjà trouvé des trèfles à 4 feuilles, vous? Moi, oui, une fois. Et là, il y en a un 5 feuilles, quand même, hein. 2 à 5 feuilles. Tant de versions de Monopoly. Waouh, toutes les versions différentes du Monopoly. Après, c'est vrai que le Monopoly... Mais oui, non, mais c'est vrai, on est tombé sur... Il y a une quantité pas possible de Monopoly différents. Ça, c'est ouf, quand même. Hein. Pratiquement tous les super-héros. Le mec, il a les figurines de tous les super-héros qui existent quasiment. Ouais, beaucoup d'efforts ont dû être déployés. Ouais, grave. Les dents de requin. Waouh, pourquoi autant de dents de requin? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi... comment il fait?
Sur le sol se trouvent différentes collections de dents de requin. Ce collectionneur n'a pas eu à lutter contre ces créatures, mais les a trouvées sur la plage. Ah, ok. On ne peut faire plus pour rendre la collection plus attrayante, mais la lutte contre les requins n'en fait pas partie. Ah oui, d'accord, il les retrouve sur la plage. Ah, c'est ouf, hein. Est-ce qu'elles se refont, les dents de requin ? Balles de golf endommagées. Toutes les balles de golf qu'on... Oh, la vache. Ah, ça, c'est beau pour l'histoire du golf, je trouve. Ouais, chaque balle, la différence, comment elles sont faites et tout ça. Je trouve pas mal. 90 ans, le mec, hein. Terrain de différents endroits. Oh, excellent! Il a mis en bouteille, en fait, il a recueilli le sol de différents endroits. Ça, c'est une trop bonne idée, ça. C'est excellent. C'est excellent, excellente idée. Des formes alimentaires colorées. C'est quoi, c'est du fimo? Ouais, c'est de la fimo, je pense. Il fait des petits fruits, des trucs et tout en fimo. Métaux de tous âges. Oh la vache, des cuillères, des machins, des pièces métalliques, en fait. Il y a des cuillères, il y a des obus, là, je vois. Il y a des obus, des cartouches et tout. Ouais. Il doit faire la détection, lui. Mais il a le droit, peut-être. Et memorabilia of cameras. Des vieilles caméras? Oh la vache. Il va peut-être vlogger avec ça, hein, qui sait. Le mur de protection blindé. Waouh. Des pics, des plastrons, des fusils, des épées, encore des fusils, des lances, des halbardes. Ah, pas mal, hein. Des outils en ligne. Ah, le mec, il collectionne les outils, on croirait chez mon père. Son établi, c'est pareil. Mon père, c'est pareil, les petites boîtes et tout, la même chose. Il sait toujours où trouver les choses, de toute façon. Une caisse de pierre. Ok, des œufs en pierre. Bon, bah écoute, si tu veux. Pourquoi pas. Waouh, des espèces... c'est de la taxidermie, hein. Oh, yeah, les araignées et tout. Waouh, non, j'aime pas du tout. Collection de jeux vidéo. Ouf. Alors là, il en a du jeu vidéo, hein. Ouf. Et puis c'est du jeu vidéo PC, là, je crois. Il y a le logo. Il y a du PC, il y a du PlayStation 2, il y a du Xbox 360. Oh la vache. Les DD, ah, des dés de Donjons et Dragons, en fait, c'est des dés pour les jeux de rôle. Malone, il en utilise aussi pour ses jeux de rôle et tout ça. Une collection qui se met en valeur. Ah oui, mais je connais ça, je connais, ma mère, elle en avait aussi. Une collection, non, c'est pas étrange, c'est des tailles crayons. Oui, mes parents, ils en avaient aussi, c'est des tailles crayons, en fait, des sculptures tailles crayons. Ma mère ou ma grand-mère, mais je connais, elle en avait aussi en forme de phonographe et tout ça. En forme de téléphone aussi, oui, le petit moulin et tout. Si, je connais. Si, ça, je connais, hein. C'est pas étrange. Ah, les cuillères. Waouh, des cuillères, ok. Une pyramide de boules de bowling. Ah, j'espère qu'il les a collées, hein. Pour qu'elles puissent pas se casser la gueule. 1785 boules de bowling. C'est joli, hein, c'est beau, hein. L'insigne de l'État. Collectionneur de pièces pour ne laisser apparaître que les différentes insignes de la pièce. Ah, il les a travaillées, en fait. Il a taillé les pièces pour laisser apparaître que le dessin. Ouais, c'est pas mal, hein. Des étagères pleines de canards. Ok. Bon, il y en a qui sont fans de cochons, il y en a qui sont fans de canards, ok. Des boîtes d'allumettes. C'est pas mal. Tu vois, ça, je trouve c'est sympa, ça. Les collections comme ça, je trouve ça va. Les crayons usés ont l'air bien. Ah oui, des crayons usés. Ah oui, le mec, il les a taillés jusqu'au bout, hein. Ah oui. La force est puissante. Ah, collection Star Wars, bon, évidemment, hein. Avec l'étoile de la mort, le rayon et tout ça, oui, normal. Une maison d'oiseaux. Oh putain, le gars, il a. La nana, du coup, a foutu toutes les maisons pour les oiseaux, c'est marrant. Ah, des Hot Wheels. Oui, bah oui, les Hot Wheels. Ça, c'est typique, hein. Tous les sables du monde. Grains Creek, Tunis, Venice, Sandy Beach, Marco Island, Ray Smith, Monument Valley, Alaska, Californie, oh là là. New Jersey. Ah, pas mal, hein. Je trouve ça pas mal. C'est comme... Je préfère quand même les pots avant. La pile de graines. Ah, des graines d'agriculture. Ah ouais, des graines, des seeds. Tant de liens. Ah, les cravates. Ah, c'est les cravates. Elles sont bien rangées, hein. Ah, les insectes, non, je peux pas. Ouais, c'est quoi tout ça? C'est des outils de bagnole endommagés. Il y a des plaquettes de frein, je vois. Plaquettes, étrier, je sais pas quoi. Là, on a un disque de frein. Ok. Ah, le mec, il a des briques. Ah ok, il a une étagère de briques. Ok, d'accord. Là, des jeux de cartes. Ah, les jeux de cartes, je trouve ça génial. Des cartes en métal, moi j'aime bien. Des roues. Ouais, des Hot Wheels encore. Roues chaudes, Hot Wheels. Ah, oh, les jeux de mots. Les cendriers. Ouais, pourquoi pas. Le mec, il a piqué cendrier à chaque fois. Tous des trucs orange. Une collection de trucs orange. D'accord. Pokémon. Oh, y a les... Est-ce qu'il y a les... Oui. Les Kellogg's Pokémon. Alors, c'est Kellogg's Pokémon. Ils étaient trop bons. Ils étaient trop bons avec les petites guimauves et tout dedans. Ça n'existe plus maintenant. C'est quoi? Ghostbusters? Là, Goosebumps. C'est pas chair de poule, Goosebumps? Il me semble. R.L. Stine. Oui, c'est ça, c'est chair de poule. Wow, c'est quoi tous ces bouquins?
C'est que des numéros de quoi ? National Geographic. Ok, d'accord. Ouah, tous les postes radio et tout. C'est les bonbons, c'est les petits bonbons menthe. Les tickets de parking. C'est des tickets de parking ou de cinéma ? Des billets de train, d'accord, ok. Les films sont mon plaisir. Ouais, pas grand chose, non ? Les belles larmes des nuages. Ah, oh, c'est beau. C'est joli. Les corbeaux sont reconnaissants. C'est ce que les corbeaux... Ah, c'est ce que la corneille a ramené, en fait. D'accord. Une collection de bois de serre. Ah, oh, c'est joli, hein. Ah bah voilà, c'est fini. Bon, écoutez, on a fini avec ces collections. Quelle collection vous a le plus marqué ? Allez, dites-moi en commentaire, je suis curieux. Est-ce que vous, vous faites des collections aussi ? Je suis très curieux de savoir. Dans tous les cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut.